Bonjour, mon nom est Richard Wagner et je suis le juge en chef du Canada. Une de mes priorités consiste à encourager davantage de personnes à se renseigner sur nos tribunaux et notre système de justice. Nous avons bien des raisons d'en être fiers. En effet, beaucoup considèrent le Canada comme une superpuissance judiciaire parce qu'il dispose de tribunaux ouverts, impartiaux et indépendants. Tous ceux et celles qui travaillent dans le système de justice se dévouent afin de faire respecter les droits de chacun. Au Canada, toute personne a le droit d'être représentée gratuitement par un avocat ou une avocate en matière criminelle et familiale. Les juristes qui fournissent ces services s'appellent les avocats de service. À l'instar des médecins et infirmières des salles d'urgence, aptes à traiter des problèmes médicaux critiques, les avocats de service possède l'expertise requise pour s'occuper de problèmes juridiques urgents. Servant aux premières lignes de notre système de justice, les avocats de service peuvent être appelés à représenter quelqu'un à une enquête sur cautionnement, à défendre un jeune contrevenant, à conseiller un demandeur d'asile ou à aider une personne à échapper à la violence familiale. Quelle que soit la personne qui fait appel à eux, les avocats de service l'aident à comprendre ses droits, traitant chacun avec dignité. Les contributions au sein de notre système de justice méritent d'être connues. Voilà pourquoi le 27 octobre est la Journée des avocats de service au Canada. Si vous agissez déjà comme avocate ou avocat de service, merci de le faire. Et si vous êtes quelqu'un qui cherche une carrière juridique où vous pouvez chaque jour apporter une contribution concrète, le rôle d'avocat de service est peut-être ce que vous cherchez. Je vous invite à y penser.